Bonjour et bienvenue, c'est Dragon Metallic. On se retrouve sur notre 9e épisode sur My Time at Portia. Et je me suis avancé un peu, de 2 jours seulement, pas trop, puisque y a une annonce à faire avec le maire. Et surtout aussi parce que j'ai pas pu avancer. J'avais de nouveau mal à la gorge, là ça va mieux, pourvu que ça continue. Et j'étais en train de miner, comme vous pouvez voir, au niveau des ressources, hein. Je lui ai déjà donné son cadeau. Parlant de ça, non, j'y suis presque. Encore un petit 20 000. Bon, j'ajouterai un point dans fortitude pour avoir le celui-là. Bon, je sais pas combien on a de niveau maximum dans le jeu, puisque là 10 22 32 42 44 si à 44 à chaque fois, ça ferait pouf, 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 pouf. Plus de 120 niveaux, ça m'étonne un peu. Bienvenue à tous. Quel merveilleux dimanche soir, j'ai une annonce candide à vous faire. Après quoi nous pourrons manger les tartes. La cité-état de Dune Rock et notre ville de Portia se sont mis d'accord pour construire une route reliant les deux endroits par le désert d'Ofola, ce qui réduira le temps de notre trajet de plus de la moitié. C'est merveilleux. Pourquoi Dunrock? Il n'y a rien là-bas à part des dunes. Voilà une belle occasion de développer nos affaires. D'où vient l'argent qui servira à financer ce projet? C'est une excellente question. Les gouvernements de nos villes financeront tous deux cette route. Nous avons acquis assez de réserves durant mon mandat. Le financement ne sera donc pas un problème. Ce projet fait partie d'un plan que je prépare depuis un an et qui fera de Portia un grand centre commercial et touristique des cités libres. Je vous présente Mint, un ingénieur de Vega 5. Bonjour. A une bonne tête, supervisera la construction de la route. Nos constructeurs de Portia et ceux de Dune Rock l'aideront à mener à bien cette entreprise. Nous tiendrons une réunion demain pour discuter de la gestion du projet. Parmi les autres nouvelles, Gust m'a fait part d'une proposition visant à créer un parc à Montgolfière, autour de la mare au canard. De la mare au canard. Vous me faites très souvent cette demande et la voilà enfin sur mon bureau. J'obtiendrai son financement dès que possible. Ce projet suit parfaitement mon plan de développement de Portia. Ce sera tout pour ce soir, les amis. Profitez bien. Non, profitez d'une part de ces délicieux tartes confectionnées par Mamie Sophie. Et voilà. Bon, Ming. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va avoir droit avec le Gugus. On se demande. Bon, j'ai dépensé les 2000. 2000 guns là pour. Par améliorer le système de détection. Bon, ça me fait un peu chier parce que quand même 2000. Sans compter. 200
En fait, leur putain de financement, il vient surtout de moi. Voilà ce que je me dis. Voilà, maintenant on peut voir les objets, la forme. Bon là c'est des reliques, hein, genre une lentille et puis je sais pas, une sorte de vase. Voilà, c'est ça, une lentille. Ah non, c'est pas un vase, on dirait un moteur. Voilà, c'est ça, un mini moteur. Et là, j'en ai un autre mini moteur. Je regarde encore un peu. Ah ouais, en fait, j'en ai d'autres. Faire plutôt cela. Si j'y arrive, il me reste plus que 24. Ah, et puis bon, j'ai pas encore réussi à trouver là ici le panier là. À chaque fois je le vois qui me dit ah, vous avez vos cristaux, enfin vos minerais, venez les acheter, mais j'arrive jamais à y aller dedans, à moins que ce soit une personne en chair en os, et le panier il reste juste pour faire de la pub. Et le vendeur mystère, je l'ai encore loupé à chaque fois. J'ai vraiment la guigne à ce niveau là encore des livres et autres là. De la nourriture. Je collectionne les tartes. Hein. Non, faut pas prendre. Hein. Non. Bon, elle grossit pas. Hein. Vous voyez, ma carotte ne grossit pas. Hein. Donc, il doit avoir peut-être pour en avoir des plus grosses. En fait, il me faut les grands bacs. Ah, putain, maintenant c'est mauvaise saison. Oh, putain. Ah, je peux pas les retirer, sinon ils vont... Je vais perdre la graine. Bon, pour le prix de la graine, ce serait pas non plus une grosse perte, hein. Je verrai plus tard, pour l'instant je n'ai pas besoin de le retirer. Mais peut-être que plus tard. Parce que j'ai toujours pas assez de. Disons. Comment dire ça? D'amitié avec le maire. Vivement que j'en ai assez comme ça. Voilà. Hop. Je vais me faire plaisir à tout.
codir tout. Tout avoir pour pas trop cher. J'ai regardé un peu au niveau du musée, me renseigner. En fait, le musée, c'est vraiment un musée de portia. Donc, par exemple, vous voyez, ces machines, une fois que j'en aurai plus besoin, je pourrai en faire don au musée. Ce qui sera pas mal. Encore faut-il, faut que j'y arrive, quoi. Bon. Je ne peux plus rien faire. Ah si. Farine. C'est dommage que je peux en faire que 25. J'aurais bien voulu que je en faire plus. Bon, la farine, mon but là, c'est surtout de la vendre, hein. C'est pas de faire quoi que ce soit avec, à part peut-être quelques gâteaux quand j'aurai ce qu'il faut. Et hop, j'ai mis mon petit tableau que j'ai trouvé, puis mon permis de construction. Bon, demain ça va être le chaos. Faut à tout prix que j'aille voir le maire et tout. Par contre, ça, il faut que je fasse quelques tables basses. Oh, il neige! Ah, oh, c'est pas mal ça! Je l'avais pas eu encore au niveau de ma. Au niveau de ma. Ma précédente game. L'Amérique. Et le passage a assisté à la réunion d'hier, mais nous avons décidé de construire une route portia vers Dune Rock à travers le désert de. Voilà. Une réunion aura lieu aujourd'hui dans mon bureau pour établir nos plans. Quelle aventure pas le plus lente, n'est-ce pas? J'ai hâte de commencer. La deuxième place, ouais. Oui, merci. L'Amérique. Nous allons faire une annonce importante ce soir lors du feu, ouais. Hop, ça c'est des récompenses que j'ai toujours pas essayé d'ouvrir. Mine. Il faudra que je trouve ce mec là. Qu'est-ce qu'il aime? J'ai pas regardé au niveau. De mine au niveau de la. Au niveau de ce que Game m'avait donné, puisque bah, je l'avais pas encore. Nous avons besoin d'un coffre en métal. J'ai pris ça, mais je sais même pas si je peux les faire. Ah, le con. Bon. Pour l'instant, c'est fermé. Bon, il faut que je regarde là, parce que je sais même pas si je peux faire les tapis. Si, je peux faire. Tapis de lin, il me faut des toiles d'araignée. Ok, je n'ai pas les toiles d'araignée. Il faut que je regarde où je peux pécho ça. Parce que là, franchement, les toiles d'araignée, je ne peux pas. Et hop. Il va y avoir du monde. Bon, maintenant que tout le monde est là, mettons-nous au travail. Je commencerai par souligner que ce projet est très important.
pour nous. Une fois Portia reliée à Dunrock par cette nouvelle route, nous deviendrons la plaque tournante du réseau de transport entre Vega 5, Dunrock et Cylon. Des noix. Cylon des noix. Il s'agit de là d'une place de première choix. Voici Ming, que je connais depuis sa plus tendre enfance. Il est l'un des meilleurs ingénieurs de la région et supervisera le projet. Ming, c'est à toi. Salut tout le monde, je vais vous donner un résumé des objectifs du côté de Portia. Pour le projet de manière générale, il se déroulera en deux phases. Durant le premier, nous commencerons à construire la route depuis Dunrock, étant donné que le travail y sera plus favorable. Pendant ce temps, nous aurons besoin des constructeurs de Portia pour réaliser un pont sur la rivière de Portia jusqu'au désert. Une fois le pont terminé, nous passerons à la deuxième phase, qui est celle de la construction d'un village de repos le long de la rive sud de la rivière de Portia. Nous appellerons cette nouvelle ville le bloc austral. Peu original, oui, le nom, oui. Je sais, mais cet endroit permettra à tous les voyageurs de se reposer et de profiter de la vue sur Portia. Nous collaborerons avec Albert et sa boutique ASC Construction pour réaliser le pont et bâtir le bloc austral. Je partirai pour Dunrock dans quelques jours. Albert sera chargé de superviser les plans locaux après mon départ. Bien. J'ai déjà travaillé avec toutes les personnes ici présentes. Je sais donc que le déroulement de ce projet sera aussi douillé qu'un derrière de troll d'eau. Enfin, j'afficherai toutes les commandes concernant le pont sur le tableau de la guilde du commerce dès demain. Pourquoi ne pas me confier toutes les commandes? Je peux les faire. Je n'arrête pas de te le répéter. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Et ça irait à l'encontre des règles de la guilde. Ah, tellement hâte. Bonne journée à tous. Hop. Oui. J'ai enfin 2 étoiles pourvu que il me passe du rabais, franchement. Bon, on va regarder tout de suite ce que Game m'avait envoyé. Allez, oh, hop, est-ce qu'il y a mine? D'accord. Ming, où es-tu, mon cher Ming? Maintenant que je t'ai bloqué, tu vas pas te barrer. Bon, je vais te donner ça. C'est ce que Game m'avait dit. Bon. Tais-toi. Allez, hop. Qu'est-ce que tu veux? J'ai très envie de commander une salade de fruits, je me souviens. Ok, une salade de fruits. Heureusement que j'en ai. Et peut-être va falloir que j'en fasse un peu. Salade de fruits.
recette, salade. Il va falloir que je rachète du vinaigre. Bon, moi j'ai découvert ce que Amy aime. Moi et la ville, ça deux fois. Ah putain, c'est du plus 16. Ah, c'est mieux que du plus 10. Bon, pas tout ça. J'avance. Je vais essayer de regarder où je peux trouver des toiles d'araignée. Oh, le chien. Party. Vraiment du mal à trouver ces croquettes là. Pourvu que dans le désert je trouve les ingrédients et autres qu'il me faut. Faudra que je refasse du saumon crémeux. Et de la... Merde, et des lasagnes. Merde, des lasagnes. Au poisson. Bon. On va tout de suite aller voir au niveau de... Hop. Allez, vas-y. Je l'ai baissé un peu plus. Ce que je veux pouvoir parler sans que j'ai la... Puisque comme ils sont en anglais, quand je lis un message important, je ne veux pas que ça soit plus fort que moi. Hi. Salut. Voilà. Oui. Bon, qu'est-ce que tu veux, toi? Je serais magnifique habillé d'un bracelet magnétique si seulement je m'en fais. Ouais. Ok. C'est pas de mal à veille, hein. Bon, je vais continuer à lui donner des cadeaux normaux, mais... ton bracelet magnifique, j'ai bien envie de te dire... Tu te le mets où je pense, hein, parce que j'en ai eu qu'un de toute la game et elle me l'a déjà demandé une fois. Je ne sais pas où m'en procurer un autre. Hein. À moins que j'ai... Là, ils me le vendent quelque part, là. Thank you.
Eh, vous voyez pas celui-là, le tapis d'entraînement là. Ah, une couche. Un placard. Un bien. Oh, c'est quoi ces prix de voleurs? Regardez-moi ça, quoi. 30 000. Hey, excusez-moi là, mais faut arrêter votre délire, quoi. Nom de Dieu de merde. Oui, j'ai réussi à augmenter un peu plus. Bon allez, faut que j'aille pêcher un peu parce que j'ai plus assez de ressources. Pêcher et puis acheter chez mamie. J'ai pas assez de vinaigre et d'autres ingrédients, j'en ai besoin. Je me demande si je peux en mettre chez moi des arroseurs et puis une citerne pour voir si ça améliore mes cultures. Faudrait que je regarde ça. Hein, mamie. Hein. Toi, tu te fais pas chier, tu t'assis, puis. Ah ouais. Ça va poser problème alors. Faut que je voie ailleurs. Parce que là, mamie me propose pas de vinaigre. Et justement, j'ai besoin de vinaigre. Donc ça va pas être de la tarte. Hein. Pas de vinaigre, pas de... Merde. Pas du tout de... De nourriture. Est-ce qu'elle en vend du vinaigre par ici? Il est en poudre pour bébé. Ok. Du vinaigre? Non. Un bandit qui regarde les gâteaux là. Non plus. Bon, bah je sais pas où je vais trouver le vinaigre. Hein. Ah, avec le blanc, on voit bien partout. Ah non, vous voyez, je vois les rochers et tout. Oh, il y a même une petite brise de vent qui passe. C'est vraiment bien fait. Ah, il y a même de la neige presque dans le désert. Bon, allez. C'est pas tout ça, mais on a de la pêche à faire. Là.
Bon, j'aimerais que ça soit des saumons au lieu d'un Goliath. Parce qu'à chaque fois que j'ai des Goliaths, c'est la mer à boire. Hein. Ah, voilà. C'est mieux. Ah, bordel. Allez, encore un petit. J'ai dit un petit. Bon. Allez. Je reviendrai pêcher après. Ah, c'est chiant l'enduit. Hein. Je sais même pas si j'ai fait. Oui, si j'ai fait. Allez, 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 allez. Comme toi. Après 20h, ça marche plus. C'est donc Ark. Je pense toujours qu'il s'agit d'un extraterrestre. Je n'aime pas ça du tout. Je ne sais pas, mais s'il devenait fou. Il a l'air trop cool. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je vais faire confiance à Gail. Bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir de voir davantage de monde nous rejoindre. Puisque vous êtes tous là pour la même chose, je vous présente sans plus tarder notre nouveau concitoyen Ark. J'ai dû te présenter Ark. Bonjour, j'aime cuisiner. Merci beaucoup. Très bien. Je l'ai précisé dans ma lettre. J'espère que tout le monde saura l'accueillir comme il se doit. Certains d'entre vous appréhendent peut-être la présence d'une relique dans notre ville. Mais j'espère que vous lui donnerez une chance. Ark a indiqué vouloir travailler ici en tant que chef cuisinier. Je passe maintenant la parole au pasteur Lee qui souhaite ajouter quelque chose. Le maire et moi avons longuement discuté du sort de cette IA. Je lui ai fait part de nos inquiétudes concernant la présence d'une relique dangereuse dans notre ville. Mais le maire a insisté. Portia et l'Alliance des Cités Libres ont été fondées par des exilés, des naufragés et des réfugiés. Nous ne pouvons pas rejeter Ark en notre âme et conscience. Je suis d'accord sur ce point. Nous sommes toutefois parvenus à un accord. Ark demeurera temporairement avec la brigade civile pour sa propre sécurité ainsi que la nôtre. J'espère qu'avec le temps, Ark aura l'occasion de devenir un membre à part entière de notre société. Merci, pasteur. Si ma décision dérange quelqu'un ou qu'elle vienne me voir et nous pourrons en discuter. Afin que Portia puisse se démarquer des autres cités libres, je pense lancer la construction d'un musée pour notre ville. Grâce à un don généreux de l'un de nos citoyens qui préfère garder l'anonymat, nous avons désormais les fonds nécessaires pour ce projet. Je me demande qui a payé pour ça. J'espère que c'est ce que tu fais, Gail. On voit déjà plusieurs reliques corrompues à l'affiche. Ça me fait plus de travail. Higgins à chaque fois. Dès la semaine prochaine, je demande à ces constructions de commencer les préparatifs pour le musée de Portia. Je crois que ce sera une magnifique attraction pour notre. Bon, moi dès demain, je vais avoir des missions, donc ça, il faut que je l'abandonne. Tant pis! Parce que le problème, c'est que d'un côté, je vais avoir des morceaux du musée, des morceaux du pont à faire, sans compter les quêtes normales. Donc si je me suis bloqué par une mission, que j'ai été con, au moins je le saurai maintenant, les missions H, bah je peux pas les prendre. Tiens, c'est qui là-bas?
Ah non mais attends, le truc il est en construction mais il est déjà fini. En plus, ce qui est bizarre, c'est que je me rappelle avoir vu des personnes qui avaient joué au niveau justement du musée. À des moments, le musée leur demandait des ressources. En tant que mission jaune et qu'on allait livrer. Là, j'ai pas vu une seule mission qui demandait les ressources pour les livrer justement sur le musée. Donc, je crois qu'ils ont changé certaines choses du jeu. Hein. Bon, non plus, j'ai pas la mémoire non plus parfaite, parfaite. Hein. Allez là. Ah, vivement que j'ai une canne à pêche bien mieux que ça, parce que là, ouais. C'est une horreur avec les raquettes à la con. Ah, celui-là, c'est un empereur. Ah bordel. Heureusement qu'on doit pas changer la lime, l'hameçon ou quoi que ce soit, parce que alors là, ce serait mort. T'as quand il va vite le salaud. Je me demande si y en a qui peuvent pêcher à ma place. Parce que franchement, la pêche, c'est pas vraiment ce que j'aime là dans le jeu. J'aime plutôt miner dans les ruines, mais le problème c'est que comme je suis. Merde, j'ai fait un muscle. Comme je suis limité au niveau de l'endurance là. Putain, encore? T'as pas fini de me les casser, toi? Ah oui, saumon. Pour faire mes saumons non crémeux, là. Ah, bordel. Bon, tant pis. Je vais rentrer à la maison. Faut que je les fasse pour le moment. Parce que demain je vais pas pouvoir les faire parce que je vais être pris de chez pris. C'est bien qu'il n'y a plus d'herbe là. On peut bien voir. Ça monte bien l'hiver. Bande de glandus, ils dorment en plus avec les yeux ouverts, quoi. Regardez-moi ça, quoi. Et hop, les yeux fermés, juste après qu'on passe, quoi. Ah, c'est vrai que si je fais le tour de ma baraque, ça va pas le faire. Bon. Recette. Là. Farine, coriandre, poisson, grenouille. Thank you.
va essayer avec ça. Il n'en reste plus énormément, hein. Poisson grenouille. Il a été loupé. Ah putain. Ah, il neige là. Ah non. C'est bien que je peux utiliser un autre ingrédient. Hop, faut que je me brouille. Gazé. Bonjour, regardez. Bonjour, regardez. Ouais. Comme vous le savez déjà, une ancienne relique qui a nommée. Arc s'est écrasé sur les terres. Désolé, il y a peu et après mes réflexions, j'ai décidé d'autoriser Arc qui m'a mis au courant de ses projets à rester dans notre ville avant de plus loin. Je tiens à souligner que je serai responsable de tout problème pouvant survenir. Après de nombreux entretiens pour Annie Dark, j'en ai conclu que je n'avais rien à lui reprocher. Je pense d'avoir un citoyen de modèle de notre ville si nous lui permettons. Partant de rappeler que notre ville a été fondée à l'idée d'accueillir et de protéger les démunis. J'arrive au boulot avec une branche de cumin dans les mains. Tout ça pour faire sympa, joli. Ah, touche pas à ça, toi. Lampe de pont. Allez hop. Si je me débrouille bien, je pourrais aller toutes les faire dans la journée. Comme ça, j'en tube Higgins. Collier de cristal, lampe de pont. Lampe de pont. Collier de cristal. Collier de cristal. Non, t'es pas dans celui-là. Non. Ah, j'ai tout. Attends, reviens voilà toi. Je crois que le maire a raison de donner sa chance à Artris. Allez, hop. Je crois que j'ai vu passer Arc. Ouais, le voilà, il passe. Hop. Au revoir. Pas trop mal, la forme est jolie, c'est j'installerai bientôt. Ce arc m'a semblé une... Enfin, Jean-Clément, je soutiens la part. Heureusement, je me suis bien avancé pour certaines choses. Je me casse, salut. Argile durcie, j'en ai. J'en ai. Non.
Non. Là. Argile durcie. Putain, comme ça, ça me débarrasse. Ah putain, là, ça n'a donné que 10 alors que ça avait donné 16. Charpent en acier. 6 câbles. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ah bah même. Let's see here. Not too bad. À chaque fois. Ah non, c'est des câbles de construction qu'il me faut. Ok. Bon. Ah, j'ai quelqu'un qui me demande quelque chose. K2. Ici. On passe à la deuxième phase de mon plan pour faire de Portia Time le journal numéro 1. Edward et moi réalisons toutes les illustrations, mais aucun de nous n'a de fibre artistique. J'ai même reçu une lettre de Gus nous disant d'arrêter de dessiner. Quel idiot. Pour la prochaine phase de mon appareil, nous avons besoin d'un appareil photo. Je peux fabriquer un appareil photo. Ah génial, les appareils photos sont si rares. Ils n'en ont que quelques-uns dans le bureau d'Atara. Je devrais discuter avec le centre de recherche pour apprendre à en fabriquer. Hein. Ah, ça y est, maintenant j'ai l'appareil photo. je vais avoir l'appareil photo, je vais pouvoir prendre des photos de tout et de rien en même temps. Genre les photos des monstres et autres. Il n'est pas encore fini ce... Ça se demandait comment ils ont réussi à faire ça avec la mini-groupe que j'aurais fait. Pareil photo. Oh. On n'a plus besoin de chercher notre directrice, en a un qui fonctionne. Que veux-tu? Un appareil photo? J'en ai un. Puis-je avoir? Puis-je avoir un diagramme pour en fabriquer un? Nous n'avons pas la technologie nécessaire pour fabriquer des appareils photo. Ceux qui fonctionnent sont déjà rares. Puis-je avoir le tien? Non, bien sûr que non. S'il te plaît, tu sais quoi? Je viens d'avoir une idée. Je te donne l'appareil photo à une condition. Laquelle? Tu acceptes un rendez-vous social. Ok. C'est quoi ce putain de chantage là? Putain quoi. Où t'es Merlin là? Putain, en plus ça s'est cassé. J'arrive pas à y croire. Où t'es passé Merlin? Putain, elle bug celle-là, c'est pas pour. Rendez-vous.
Place centrale. Voilà. Hop. Vous voyez pas le chantage? Tu veux l'appareil photo? Et bah tu sors avec moi. À ce niveau là c'est monstrueusement dégueulasse hein. C'est comme si par exemple vous faites la cour à disons une ou deux bonnes femmes si vous savez pas, vous hésitez peut-être. Et arrivé là, vous en avez une qui dit hey, vas-y, tu veux que je t'aide pour ça, sors avec moi directos. Non, c'est bon, partir. Bon, j'ai dit une ou deux. Parce que ça arrive de. Comment dire, d'être. Hésitant. Par exemple, une qui vous aime bien comme vous êtes, et une autre qui aime bien vos talents de cuisinier, quoi. Et vous, en même temps, vous en avez une parce qu'elle est. Elle est naturelle, et puis l'autre. Elle est. Comment dire. Pas touchante ni sympathique, mais attentionnée, quoi. Ah oui, les câbles de construction. Je vais en fabriquer 6. Tu dégages. Ah putain, il est tout là-bas, là, le mec. Il est pas dans le bus quand même. Non, il fait son tour à pied. Ça t'amuse de me faire courir? Bon, moi il faudrait que je finisse ma nourriture. Faut arrêter hein. C'est toujours trop de pognon quoi. Ça, vous voyez, c'est con. je l'ai pas remarqué avant. Vous faites de la cuisine, mais ça vous donne aucun XP. Donc vous perdez des heures et des heures à vous taper la cuisine, mais ça sert à rien. Donne-moi du saumon. Saumon.
Là. Il faut du lait. Ouais, je vais prendre du miel. C'est du sel, j'en ai pas non plus des masses. Ah, la phase de cuisine, elle est vraiment horrible sur ce jeu. Combien j'en ai? Je vais pas en fabriquer non plus des tonnes. Oh, je vais en fabriquer encore 3. Je n'ai plus besoin de ça. Oh, je ramasserai tout en même temps, je vais pas me casser le cul là maintenant. Autant profiter un peu du temps que j'ai pour miner. Ça sera toujours plus profitable.
c'est un petit moteur. Encore la peluche. Oh bordel. C'est plutôt chiant la peluche puisque j'ai pas encore les oreilles. Ah tiens, ça me fait penser que j'ai gagné un niveau. Voilà, c'est ça. Ah, il y a une demi-session là, j'ai de farm, j'ai 500 de pierre. Je suis à peine à la moitié de ma fortitude. Voilà qui est très très intéressant. Lieu de ton rendez-vous. Tu ne trouves pas. Ouais. Le problème c'est que ça va être tard avec l'autre bonne femme. Ça va être si hard. Oui, civil. Merlin tient des pièces, il les prend les. Donc les lettres bleues c'est pour les cadeaux. Albert. Hey, le constructeur, tu sens quelqu'un d'assez social. Que dirais-tu d'accorder quelques instants à ton vieux copain Albert? Bien sûr, ça n'a pas l'air compliqué. Pierre, je savais que je pouvais compter sur toi. Alors voilà le topo. Tu connais Gus, c'est pas vrai? Grand type, cheveux longs, froid, et lui et moi. On en a fait beaucoup de chemin ensemble. En partie pour ça que j'ai déménagé à Portia pour ouvrir ARC Construction. Et bien que Gus a une sœur, Ginger, et une beauté sans égale, une fille vraiment exceptionnelle, mais il y a un petit problème. Elle ne sort pas très souvent, quel dommage, pas vrai? Elle a un soi-disant problème de santé. Je ne connais pas les détails, mais Gus a un comportement bizarre quand j'aborde le sujet. C'est là que tu interviens. J'ai besoin que tu suives cette beauté mystérieuse pour en apprendre davantage sur le sujet. Une fois que tu en seras plus sûr, reviens me voir, je t'attends. Putain. L'autre, il veut que je joue le pas le paparazzi, mais le staker. Allez, ouvre-toi. C'est chiant ça. De pouvoir y aller que à l'heure dictée, donnée.
banane. Barre d'acier au manganèse. Ah, je peux faire que ça. Bon, c'est long de... faire ginger, enfin, je vais d'abord aller... où tu es, mon ami? Là. Aldor. Pas possible ça. Bon. Faut que je suive Ginger. Papa m'a dit que tu avais réglé le problème de l'eau. Tu te souviens du prince des Bandiras? Eh ben, figure-toi. Un roi des rois. J'aurais parlé de tout le monde. Et c'était effrayant de tomber dans les ruines. Ça m'avait l'air fort. Plus de peur que de malheureux. Heureusement. Bonjour. Tu veux en savoir plus sur moi? C'est tellement gentil de ta part. J'ai un petit problème de santé qui m'empêche de sortir. Mais tout va bien. J'ai développé quelques loisirs auxquels je peux m'adonner. Dans l'intérieur, je consacre notamment la lecture et la fabrication de petits bijoux. Je pense que l'éducation et la créativité sont de belles choses accessibles à tous ceux qui ont vu le jour. Maintenant que j'y pense, je recherche un livre intitulé « La pérénigration vers l'Est ». Je sais que c'est un classique, mais très difficile à trouver. L'histoire semble tellement idyllique, pourtant un jour j'aimerais vivre une grande aventure comme celle-là. Papa m'a dit que tu avais trouvé le voleur de David. Oui, c'est un, tu vois. Ah, quelle surprise! Tomber sur le prince des Bandiras. Mais tu les as tous battus. Alors tu dois t'y connaître en exploration des ruines. Merci de m'avoir parlé de ton aventure, ça m'aura beaucoup. Bon. Trouver Albert. Bon, il y a deux défauts là dans le truc, l'histoire. Trouver un livre, je ne sais absolument pas comment je vais faire. Ah. Si c'est un livre qu'on trouve dans les ruines, ça va pas être du gâteau, comme on dit. De la tarte, ça va être... vraiment la merde. Ah putain, elle est en train de se casser à l'église. Une fille qui aime la lecture, hein. Bien, j'aime les filles intelligentes. Maintenant que j'y pense, je crois que tu peux obtenir ce livre à la table ronde du restaurant de Django. Tu devrais probablement faire une partie ou deux, mais ça devrait... Mais ce n'est pas un problème quand on aide un ami, pas vrai? Ah putain. Les mecs ils se foutent de ta gueule, mais complètement quoi. Dépense du fric pour avoir le bouquin quoi. Viens là. C'est celui-là. À force, je vais m'y perdre. Donner tous ces cadeaux, il est fait cadeaux. Vivement que je suis au max sur plusieurs personnes que j'arrête. Bon. Il m'a dit Django. C'est ici. Non, mais attendez. Ah, il se fout de ma gueule, le merde. Il veut que je fasse comment? Plomb, score total, viser le ballon et appuyer pour tirer. Ballon différent, rapport différent, score, ballon éloigné, petit.
Ah, puis mais... Ah. Je sais quoi ce... c'est une blague. C'est une blague monumentale. On va essayer ce truc là. La fléchette. Le retire indique le nom. Geste. Bon. Ça machine à sous. Les récompenses dépendent des différentes combinaisons de motifs. Le prix apparaîtra une fois que la partie aura été payée. Attention, quitter la partie avant que les rouleaux ne soient complètement arrêtés te privera de ton prix. Une fois la partie commencée, appuie ici pour arrêter le rouleau. C'est une blague ce truc. Ça va bien trop vite pour qu'on puisse... Parce qu'en plus quand vous voyez qu'on appuie, ça change le truc. Vous voyez, j'appuie quand il... ça devrait être le bon truc et ça l'est pas. Quelle blague. Merde, j'ai fait une erreur. Quelqu'un ah j'ai...
C'est une blague ce truc. Putain, un décalage à chaque fois. Merde, j'ai mal visé. C'est vraiment de la dôme. Ah, t'es... Putain, je vise pas du tout les bouses et j'ai les bouses. D'accord, je vais viser les bouses maintenant. Je vise les bouses, j'ai le gâteau. Et là, j'ai les bouses. Putain, hey, sérieux. Bon, moi je vais plus vite là, pour récolter le ce qu'il faut. Bon, je sais combien. 300. J'achète
C'est quand même la merde. Hein. Ce jeu de daube. Quel daube? Au secours. Hein. Ah, tu l'as trouvé, merci infiniment mon ami. Ne me méprise pas parce que je poursuis une jeune fille de cette manière, qui est tournée. Les choses se sont compliquées quand son frère est ton meilleur ami. Avec ce livre, je vais pouvoir impressionner la fille de mes rêves. Brick. Là. Non. Merci, toi tu reviens par là. De la réputation. Bon, ils ont fini leur pont là qu'on puisse passer ou pas? Non. On leur a tout filé, mais bon, rien à foutre. Putain, ça m'énerve. J'aimerais bien me casser dans les ruines, mais je peux pas. Il y a le rendez-vous. On replante.
Je sais même pas si j'ai donné à Phyllis et au docteur leur cadeau. Social. Ouais, Phyllis, je suis presque à tous ses corps. J'aurais plus besoin de me faire chier avec. Là, je suis à la moitié pour Nora. Là, je suis un peu plus de la moitié. Là, je n'ai pas encore la moitié. Il va falloir que je donne des trucs. Hein. Et Ginger, c'est la fille la plus facile, je crois, à avoir, vu comment à chaque fois qu'il y a un événement de l'histoire qui se passe, vous gagnez énormément. J'ai déjà donné le cadeau. Alors, rien que l'histoire des rats, là, j'ai gagné 50. Allez, et puis une fois que le rendez-vous est passé, hop, j'irai passer la journée. Bon, pas fini. Il n'y a que... Non. Hop. Hello. Oh my. Bon, après le petit rendez-vous, je me prendrai une petite pause, hein. Regardez le mec qui s'entraîne à l'épée, tout comme le gamin. Le problème, c'est que il sert à rien, il est même pas dans la garde. Ils auraient pu faire que l'eau elle soit gelée. Je peux toujours pas avoir celui là-haut, je sais pas comment il faut faire. D'accord. Ah, complètement débile. Lui, il est mieux que le cochon et puis le chat, hein, le bandit. Non. Je vais aller quelque part en particulier. Non, c'est pas par là, c'est par là. Je vais me reposer un peu ce soir, bien sûr. Enfin, ensuite, poser. Non. Complémenter. N'arrêterai pas tant que mes recherches n'auront pas été publiées dans le magazine annuel de Vega 5.
Alors, qu'est-ce que je peux faire? Essayer de me garder des points, mais j'ai un peu. Ouais, tu joues au Flégel, pourquoi pas nous faire une démonstration, bien sûr. Ah, t'en sors vraiment bien. On va essayer le tir au ballon. Tu as du talent. C'est pas mal. On va essayer ça aussi, elle a l'air d'aimer. Du talent. Bon, je gruge un peu. Ah, je peux pas essayer. D'accord. Tu veux essayer? Non, la machine est trop foutage de gueule. Ah zut. Et puis le mec il passe devant quoi. Non mais si. Putain mais casse-toi toi. C'est moi qui joue. Passer au dîner. Bien sûr. Parler des plats préférés. Je suis pas vraiment fan du riz. Parler travail. Qu'est-ce que ça fait de diriger le centre d'enchères? Nous n'avons pas d'équipement dernier cri. Ici, mais j'apprécie le pasteur de l'église soit raisonnable. C'est gentil, ça me plaît beaucoup. Ensuite, commandez. T'en fais repas. Est-ce que je veux spaghetti? Merci. Spaghetti. Lequel?
Toi, que penses-tu du centre de recherche de Portia? Il semble un meilleur équipement de recherche, mais plus de liberté pour poursuivre mes recherches ici. Partir. J'ai du mal à croire que notre rendez-vous soit déjà fini. Il faut qu'on remette ça. C'est donc ça, un rendez-vous social. Je vais étudier ma réaction et te communiquerai les résultats plus tard. Bon. J'ai eu 28 de relations. Mais c'est horrible. Oh que c'est horrible. Je préfère balancer des cadeaux une fois par jour. Faire ci ou ça. Mais c'est tombé quoi. C'est vrai que c'est un bon moyen de gagner, mais bof. Constructeur. C'était mon premier rendez-vous social, il était décevant. Décevant alors qu'elle avait eu énormément de plaisir. Je pense avoir une sorte de révélation ou d'illumination, mais j'imagine que j'ai eu tort. Ces livres de contes de fées sont truffés d'erreurs. L'expérience a échoué, tant pis. Tiens, voilà l'appareil photo, il est à toi, merci de ta coopération. Merci. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre quoi? Option. Commande photo, j'avais vu quelque part. W. Ah, je l'ai pas. Peut-être qu'il doit faire le truc de reportage avant. L'autre, il est bien avec sa ventouse à chiottes. Oh là là là. C'est ouvert que quand ça veut, ça c'est emmerdant. Non, me pique pas. Oh. Oh là là. Barre de fer, poutre en acier, pile de pont, comme ça. Allez hop, on construit notre pont. Là. Donc il me faut des plaques. Non, c'est du verre renforcé. Oui, bon, j'en ai. Bon, j'en ai pas non plus des masses. Charpente en acier et planche de bois fin noir. En acier. Hop.
Ah putain, les planches de bois en fer d'or, ça va me faire chier là. J'ai pas vu venir celle-là. Ah bah il faut que j'attende. Je suis complètement obligé. Il m'a expliqué qu'à déneiger un peu. On déneige. On déneige. En même temps du bois et des végétaux. C'est bien, en plus ils ont fait le petit truc que comme je frappe j'ai de la poudreuse qui se casse là. Regardez-moi toute la poudreuse qui tombe. Voilà, il y en a une qui a été faite. Deux, c'est bien. Voilà, terminé. Ah oui, barre de fer.
barre de fer. Il m'en reste au moins ou pas? Ouais, 38. Les nouilles, comme on dirait. Pep, reviens ici. Waouh, c'est un véritable appareil photo. Il n'a pas dû être facile à fabriquer. Cet appareil photo, notre journal va rayonner. Merci mille fois. Tiens, prends ceci en guise de remerciement. Appareil photo disponible. Ça y est, j'ai l'appareil photo disponible. Hop. Appareil photo, mode selfie par défaut. C'est l'appareil photo dans la position de ton choix. Puis deux fois sur la touche. Bon, je peux pas la prendre en photo, elle. Qu'est-ce que tu fais? Je vais pouvoir te prendre en photo. Ah, je peux. May, reviens, May. Reviens. Meilleur ami. N'importe quoi celle-là, une photo. Le pont qui se construit. Viens ici. Avec Ming à l'arrière. Et les poses, c'est vraiment les mêmes, hein. Se demander si je peux prendre une photo du mien.
Qu'est-ce que ça va être? Non, j'y crois pas. Bon, tant pis, je vais la prendre comme ça. Pas me casser, non. Casser l'oignon. Elle était complètement ringarde. Bon, il va falloir que j'en fasse plusieurs. Il va falloir que j'en fasse encore 4 peut-être. Ah oui, charpente d'acier. Ah, j'en ai plus. J'en ai plus. Bon, j'ai pu faire jouer avec la farine maintenant. J'en ai trop.
va dormir. C'était pas ça, c'était pas ça. Ah oui, c'était le vert en face. Non, c'est sûr. Pas que je me trompe. Et mec. Organisant la cérémonie d'ouverture du musée de Portia samedi matin. Quant à nous, le musée de Portia deviendra sans doute une attraction majeure de notre ville. Là, je gagne 9000 par 9000 de d'XP, là, c'est bon. Ah, une S. Nous, ville, avons besoin. Un poutre en acier. Je me fasse encore deux poutres en acier là. Ah oui, j'ai encore la corde et mes badges. Alors encore là, tout ce qu'il faut. Bon. Combien je peux en faire maintenant? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas. Je peux en faire que deux. Pas bon.
Ah, c'est juste les poutres qui me cassent les couilles. Bon, je vais faire ma pause là. On va bien voir. Donc, je reviens dans 5 minutes. À tout de suite.
Ouais, je vois que le temps est bien avancé. Oui. Je devrais plus de fourneaux, enfin je devrais en mettre plus pour pouvoir faire plus de lingots, mais je ne peux pas parce que il me manque juste les ingrédients du les ingrédients de, merde. Pour faire les merde. Pour faire les tout ce qui est merde tout ce qui est merde. Je vais réussir à l'avoir tout ce qui est pour faire les forges et autres électriques. Donc j'ai pas envie de gaspiller mes ressources. Donc au lieu de gaspiller mes ressources, je vais faire en sorte de faire en sorte d'utiliser pour justement faire des électriques. Que j'en ai besoin. Ah, le sable, j'en ai une folie. Je vais pouvoir en faire plus. Au moins une dizaine. Même pas. Allez hop. Ah, une importante de mail. Dragon, étant maintenant que tu as un appareil photo et que j'ai une presse typographique, il est temps pour nous de faire équipe et d'écrire des articles sur les événements en ville et ses habitants. D'abord, pour célébrer les améliorations que tu as apportées au Port Chatham, il semble logique que le premier article traite de notre collaboration du besoin de photos de toi et moi, la devanture du My Portia de la presse typographique, très moment quand on aura terminé. Bon. Oh là, oh les gold, les gold, les gold, là ça y va. Hein. Ah, j'ai eu pognon, un peu savoir quand faire. Ah, il y en a trois sur celle-là.
Oh bordel. Je sais pas comment monter. Essayer de faire les photos. Ah zut, d'accord, celle-là elle est bien parce qu'elle a le petit truc vert, les autres sont pas bonnes. Regardez-moi le bouffon devant là. Est-ce que je peux prendre le barbier là? Faut que je regarde ça là parce qu'il y a un problème dans les commandes. Dans les photos. Non, il n'y a pas les commandes de l'appareil photo. Ah ah ah. La merde. Et voilà. Putain, c'est super. Mon article devrait paraître le mois prochain. J'ai un coup d'œil. Et enfin, j'ai atteint mon but. Celui d'avoir ça. Merlin, 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 Merlin. J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture du musée de notre ville. J'espère que tout le monde contribuera à faire de cet institut notre fierté. Merlin s'est portée volontaire pour devenir la conservatrice du musée. Elle s'occupera. Pourquoi il marche? Je comprends pas. Merlin. Oh.
voyez là, petit objet, grand objet, moyen objet, grande relique, œuvre d'art. Voyez tout ce qu'il y a à remplir. Voilà tout ce qu'il y a à remplir. Hein. Et il y en a encore. Hein. Vous avez même les poissons. Hein. À foutre. Et là, vous avez les récompenses. Pour les objets donnés. C'est énorme, hein? Et là, c'est les... c'est des échanges ou autres que vous pouvez faire. Faudra que je prépare tout ça plus tard. Photo. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, il va falloir que je prenne des photos des animaux là. Je sais pas pourquoi il marche comme ça. D'habitude, il marche pas. Bon, et puis moi qui apparaît sur les photos, c'est pas mal non plus. Bon, je vais pas tous les faire, hein. Juste en faire certains. Vous voyez, la crotte, elle est apparue juste devant moi. Je comprends pas pourquoi il marche là tout d'un coup, d'habitude il me le faisait pas. À moins que c'est moi qui ai complètement fumé, que je me rappelle pas. Et dites-vous qu'il faudra peut-être que je prenne les boss. Les boss aussi quoi. Je me demande si quelqu'un a fait tous les photos, hein. Je suis pas sûr.
J'en ai encore plein à prendre en photo, y compris ceux des donjons. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Que 4. Ah, il faut que j'attende encore. J'attends encore puisque si j'en fais que 4, je peux pas avoir de... Comment dire ça? De 20% de... En moins des ressources. Il grandit pas, hein. C'est bien la peine que je me casse le néné pour le truc. Besoin de ça. Non, le truc d'ND, tu restes avec moi au cas où. Merde, il m'en manque qu'un seul et puis je pourrais en faire 5. Allez, grouillez-vous! Bon, tant pis, hein, je vais passer la journée. Je voulais le terminer aujourd'hui, mais comme il est déjà 18h. Vous voyez la différence entre les petits et les gros, c'est que les gros ils vont plus vite à me faire le bazar.
une pierre de pouvoir concentré. Oui, c'est ma première. Je vais tous vous tuer. Le couteau, il sert à rien, rien du tout. Ah, 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 ah. Reviens ici, toi. Cadeau. Je sais que tu l'aimes. Ah. Toi. Ok, musée. Poursuite du design du musée. Allez hop. Allez. Les lunettes. Ah, maintenant que je suis passé en catégorie bien plus haut. C'est plus difficile de trouver les différences. Hein. Donc j'en suis moi. Oui, j'ai dépassé l'autre salon. Je suis premier maintenant. Ah, tu l'as dans le cul, Higgins. Hello. Bon, c'est con, j'ai pas réussi à trouver mine les autres jours là. Puisque je l'ai pas, comme je l'ai pas en ami, je le vois pas, je sais pas où il traîne.
C'était. Bah justement, quand on parle du loup, c'est peut-être lui. Putain, il va vite! Ah non, c'est le docteur. Hello. A present. Well, thank you. Ah, l'autre charlatan avec son poisson pourri. Son poisson pas frais. Pas. D'accord. En fait, là, vous voyez, il veut de l'argent. Déjà, 1770 plus des oreilles d'un jouet pour me filer le cul du cheval. C'est déjà mort. Puisque j'ai pas les oreilles, c'est ce que je cherche. Celui-là veut un morceau de figurine d'homme d'argile, numéro 3. Je l'ai pas, alors que son horloge hibou, je l'ai. Celui-là, le broc en eau de porcelaine, je l'ai. Mais il veut une figurine d'argile. Il demande que des trucs que j'ai. Merde, que je ne peux absolument pas leur donner. C'est ça qui est bizarre, parce que normalement, il devrait plutôt nous proposer des morceaux qu'on n'a pas en échange. Mais là, non, il nous propose justement ce qu'on a, mais ils veulent ce qu'on n'a pas, quoi. C'est n'importe quoi. Bon, je vais essayer de faire que mamie elle arrive, là, voir hein, si je peux la voir. Allez mamie, faut que t'apparaisses. Dès que t'apparais, je te prends photo. Ah, la voilà. Voilà, allez dans l'album. Bon, je l'ai pris de dos, hein, mais... Voilà. Bon, je m'en fous s'il apparaît pas vraiment sur la photo. C'est que je n'ai pas que ça à faire non plus. Bon, pour l'instant, je n'ai pas vu le boss des crabes bizarres. Ceux des oursins, je l'ai déjà vu. C'est la montgolfière. Bon. Voyons voir si elle apparaît. Là, allez là-bas. Pas de problème. Et il me reste plus qu'à prendre les...
les escargots en photo. Après, il me restera les petits ploufs à la con et les oiseaux. On va regarder tout par là. De la coriandre, je prends. De la coriandre, je prends. Je peux prendre ça en photo ou quoi? Non. Vous arrêtez une idée, je ne peux pas. N'empêche, c'est magnifique hein, dans la neige. Hein. C'est pas dégueulasse. Je me demande si je peux prendre une photo du musée. Je peux pas. Par contre, je peux prendre la photo de ça. Celle de l'école, je peux? Je me débrouille pas mal au niveau des photos. Bon, je dois faire aussi ce que dans les ruines, mais ça me casse un peu le niveau. Mais je vais quand même essayer. Là, il est là-bas. Ah, bordel.
Non, putain, ça a pas marché. Bordel. Qu'est-ce qu'il est chiant, hein. Ce con se coince là. Mais ouais. Voilà. On va voir s'il y a un boss. Ah d'accord, c'est eux le cœur bleu. Là, il est là. Elle pleure. Ah, il y en a plusieurs en plus. Maintenant, il me faudrait le chou panda. Merde, que du cristal. Tant pis. Là, il y a des chauves pandas, on va les tuer. C'est quoi ça? Sauf qu'on a... Ah la ruine, je la ferai une autre fois. Ah. C'est quoi? Un sauve-panda. On va rappeler les photos là. Oursin, ouais.
escargot, coq, lama, le coq, madame coccinelle, fleuret, oursin, extérieur, boutique. Ça c'est l'oursin montgolfière. Ça c'est l'escargot level 2, sauf que je ne sais pas comment l'avoir parce que le boss escargot on l'avait eu dans la grotte Ambre. Et ça va pas être coton pour l'avoir quoi. Puisque il est déjà mort quoi. C'est quoi ça? Un chauve panda! Tu te fous de moi toi! Bon, je vais aller voir ailleurs hein, monsieur. Ça commence à être chiant. Ouais, il n'y a pas d'autre. À moins qu'il apparaît pas là. Je vais prendre là. Putain, il veut pas apparaître, hein. Le boss panda. Bon, allez. Le commerce, on va garder. Réplique de fossiles. Une réplique. Ouais, je crois. Bordel. Je comprends pas pourquoi il est de temps comme ça là. Casse-toi! Merde. 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 Je peux. Il y en a qu'un que je peux, tout le reste. Donc. Collier en cristal.
Heureusement que j'ai encore quelques colis en cristal. Allez, allez! Il va se terminer ce pont là. C'est que j'ai des choses à faire moi. Faut que j'aille miner. Ah, te voilà. J'ai pu avoir beaucoup de soupe. Étrange. C'est vraiment un calvaire. Hein. Les recettes, hein. Que d'un côté vous avez les ingrédients que vous pouvez trouver, acheter ou fabriquer et vous voyez la vinaigrette que j'ai besoin pour faire de la salade, je peux pas l'acheter. Pour ça que c'est chiant. Là, celle-là me demande un collier magnétique. Un collier qu'elle m'a déjà demandé une fois et que j'ai pas de nouveau. Peut-être que le vendeur mystérieux pourrait me l'avoir, mais moi je n'ai pas. Je ne l'ai absolument pas. Franchement, j'ai l'impression que j'ai appuyé sur une touche qu'il fallait pas là. Parce que comment il se déplace lentement, mon mec. Parce que là, il fait que marcher ou alors je suis à courir. Alors que normalement, il pouvait courir, disons, pas trop vite. Avant, il me semble, il faudra que je regarde au live. Je regarderai. Mais il me semble qu'il pouvait. Thank you.
Ah, je sais pas ce que c'est. Ah si, d'accord. Il y en a plein, mais je vais plutôt faire les autres que... Hop, par là. Ah bordel, c'est toujours pas le morceau de manette que je cherche. Cherche un morceau de manette qui ou qu'on voit les touches et moi j'ai toujours le cul de la manette que je grappe. Quelle chance minable que j'ai hein. Encore un livre. Encore un canapé. Et franchement, j'ai vraiment pas de chance. Hein. Toujours des canapés roses. Putain, ouais. À force, je vais les vendre, mais si je l'ai pas encore fait, c'est parce que je me demande si il y a pas un mec, vous voyez, en ville qui en a besoin pour faire augmenter son, bah justement son, son amitié. Ah, là j'ai... Oh! Non, je t'ai filé à ta vue, boss. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Ah, tarte à la citrouille. J'ai, c'est bon. T'as
tarte à la citrouille. Bon, moi j'ai terminé elle. Alors, il se termine ce pont là. Très bien. Attention, maintenant que le pont de portière est terminé, on passe à la deuxième phase du projet. Mines veut qu'on creuse un tunnel dans le massif de Fola pour rejoindre la route de l'autre côté. Ça risque de prendre un moment. On va avoir besoin de matériaux pour le plafond et les murs du tunnel. Je vais poster ça à la guilde du commerce dès demain. Maintenant que le pont de portière est terminé, nous pouvons visiter les ruines. Bon, du désert étant donné que nous n'avons récolté aucune créature dangereuse dans les environs, nous avons décidé d'ouvrir les ruines abandonnées. Bonne exploration. Je suis heureux de t'informer que nous avons terminé le pont de... Non, au désert de Fallout, il s'agit d'une étape clé dans le projet de construction d'une route vers Dune Rock. Nous organisons une cérémonie d'inauguration demain, n'hésite pas à venir. Ouais, mais moi j'ai enfin ce que je voulais. Ouais. Deux arrêts d'aider. Ah putain. Va falloir que je fasse deux arrêts d'ND. Qui va poser un peu problème. Eh, casse-toi, Egin. Pilier en bois, je peux pas. Cuirasse en acier, je peux pas. Maison, deux oreillers, merci. Deux albums photo. Oh, je vais prendre. Bon, il faut que je fasse deux albums photo et deux arrêts d'ND. Et après, à moi les nouvelles ruines. Plaque de bronze, planche bois dur et... Hop. Bois dur. Et quoi? Tuyau en bronze. Je suis pas sûr de pouvoir en faire énormément.
Vous voyez, comme je vous l'avais dit, je suis obligé de faire des parkings à D&D alors que je suis absolument pas rémunéré, quoi. Tout ça, c'est aux frais de la princesse, tout ça, parce que on est obligé de le faire pour pouvoir avoir quelques arrêts pour que ça me prenne moins de temps. Bien, j'ai trois trucs maintenant. Ah ouais, d'accord. Ah, je suis une feignasse. C'est vraiment du n'importe quoi. Voilà le pont, n'est-il pas joli? C'est con qu'on n'a pas de véhicule nous-mêmes. Moi, je me verrais bien avec... Un petit véhicule, enfin je parle pas d'une monture hein, mais vraiment d'un petit véhicule et que je fasse joujou comme ça quoi. Vous voyez, il y a des choses à récupérer ou autre. Je vais pas le faire. Hein. Pour l'instant, j'ai autre chose à faire. Hein, du cactus. Je pourrais en faire tomber. Ça me donnerait des ressources. Tiens, je vais essayer. Ça c'est pas normal, regardez. Le cactus me donne 4 fer boire. C'est absolument pas normal. Normalement, ça aurait dû être les gros arbres que je détruis qui m'en donnent. On va voir combien il me donne cet arbre là. 6. Ouais, vous voyez, le cactus c'est bien plus rentable. Ah, par contre, ça m'a donné un bois que je connaissais pas, bois de peuplier. Bon, normalement, je devrais me casser au fond pour mettre l'abri de Dende, mais j'ai pas envie de me casser, hop, revenir, je perdrai encore plus de temps. Je vais aller dans les ruines tout de suite. Merde, je peux pas changer de détecteur. Enfin, j'ai les ruines que je voulais. Ça, c'est de la ruine. C'est quoi ça? Du minerai de magnétite. La terre du sable. Et ça? De l'aluminium! Je suis riche, les mecs!
Bon, il y a toujours un truc qui m'énerve. C'est toujours pas les plats qui ni fugé, je sais pas quoi là. Bon, essayons de voir. Peut-être que c'est autre part. Pierre de pouvoir concentrer. Pavé numérique. Ah. Oh oui, oui, oui. Un bracelet magnétique. Non, c'est une câble en acier. Ah, la fausse joie, quoi, putain. Oh, figurine en argent. Bon, je vais me sortir de cet endroit. Hein. Parce que là, c'est bien beau de ça, mais c'est pas ce que je recherche surtout. Moi, ce que je recherche, c'est ça. De la magnétite. Oh putain, il y en a plus. C'est quoi ici? Non, c'est de la terre. Ouais, c'est ça. Ici, non. Yes. Ah putain. Pas grand chose, hein. Et il me faut de l'aluminium. Là, il y en a plein, putain. Là, j'en ai pas mal. Je suis très content. Je vais aller essayer de voir plus loin. Je vais mettre l'arrêt d'ND. Ah bien sûr, il m'attaque. Bon, on va examiner un peu. De l'or, 100 pièces d'or, je vais pas aller loin.
Ah, et quelques cristaux ici, c'est pas mal. Danamine. Une puce de données d'élevage, le numéro 2. Encore et toujours la même puce. Hein, chez... Ah. Tu descends toi ou quoi? Non, il manque le, son ascenseur. Je peux rentrer ou pas ici? Non, je peux pas. Enfin, pour le moment. Vu qu'il y a de la petite, des petits trucs jaunes. Bon, il va falloir continuer. Ah putain. Enfin, continuer l'aventure. Enfin, on va continuer quand même demain. Merci. Cela, c'est quand même l'heure de manger. Et heureusement que j'ai mon petit arrêt d'endé. Et voilà. Bon. Bon, il y a pas grand-chose hein. Ouais bon, je vais laisser ça comme ça, tant pis. Non, ça ça vient. Et voilà. Et maintenant, je... Ok. Je peux rien faire. Fous-moi. Bon, on va refaire du charbon de bois. Hein. Ça doit pas être celui-là. Ça doit pas c'est cette machine-là qui. Cette machine là, non, ah bordel, ouais, bah, il me manque un autre endroit. Me manque un autre endroit et je ne sais pas c'est lequel. C'est quand même chiant. À moins que ça soit le tunnel qu'ils veulent faire là.
en se grossissant. Ah, je suis pas content. J'aurais cru que j'aurais le truc qu'il faut, mais non. Faudrait que je regarde où avoir ce que je cherche. Bon, on va quand même regarder un peu ce qu'il y a. Qu'as-tu pensé, mon ami? Ça fait réagir en ville, les gens sont tous excités. Ma mère est carrément venue à mon bureau et m'a demandé d'écrire un article sur lui. Je me disais qu'on aurait pu parler des améliorations qu'il a fait apporter. Donc, ta prochaine mission est de prendre les photos suivantes. Le maire Gale. Un arrêt. Tendé, le pont de l'île Ambre, un lampadaire. Aucun. Et voyons voir la mission que qu'ils veulent me donner. Ah, la fontaine, je peux la prendre en... Ouais, je pense avoir de la prendre en photo. Bon, là, je me prépare juste pour la prochaine. Donc, il faudra des piliers en... J'ai juste pris pour regarder parce que là je vois pas ce qu'ils entendent par des filles en bois, putain. Quatre piliers de bois. Ah, j'ai de nouveau un message. Les Merlines. Ok. Bon, c'est pas énormément de pièces anciennes. Hein. Quelques-uns. D'accord. Et les piliers en bois. Piliers, 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 piliers en bois. T'es là. Ah, d'accord. Ah, ça va être hard. Donc, il me faut du bois de peuplier. De la corde. Et du coton. D'accord. Ouais, le coton, j'en ai plus, j'en ai pas. Bon. Bon bah ça sera pour la prochaine fois. Donc on se retrouve sûrement demain. Donc demain je dois à tout prix démarrer les cordes, les piliers et tout. Bon, peut-être que je ferai pas le jour là même celui-là. En live, hein, puisque vu qu'il n'y a pas grand chose à faire à part donner des matériaux, ça devrait aller sans problème. Donc il y aura pas besoin, de toute façon je validerai pas non plus forcément les quêtes. Donc je vous laisse là pour ce soir et aujourd'hui. Donc je vous dis bonne soirée, bon appétit et bye bye.